23, verset 26. Exode 23, 26. Ok. Amen. Ok, nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains de Dieu. Alléluia. Et en même temps, nous allons demander pardon à Dieu, voilà, pour nos péchés et entrer dans sa présence. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom et je te dis merci pour ton peuple. Merci pour ta grâce au milieu de chacun de nous. Merci d'avoir disposé nos cœurs afin que nous soyons réunis ici en ce moment pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous recommandons, Seigneur, ce moment entre tes mains. Avant, nous te demandons pardon pour nos péchés. Seigneur, pardonne les iniquités de chacun et de chacune et laisse que ton sang lave et purifie chacun et chacune de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. 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 Ok. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. En fait, il faut dire que la réunion d'aujourd'hui, c'est par rapport à ce qui s'est passé hier. Je vous ai expliqué hier que j'ai eu une consultation prophétique avec une femme appelant de l'Allemagne et dont qui pleurait qu'elle ne pouvait pas enfanter, n'avait pas d'enfant. Et le Seigneur m'a révélé dans l'esprit la cause de son problème, que c'était parce qu'elle avait commis l'avortement. Amen. Et Amen. J'ai partagé ça avec vous hier soir, voilà, par la grâce de Dieu. Et je vous ai interpellé par l'Esprit de Dieu que si quelqu'une a commis l'avortement, voilà, elle doit se repentir. Même si c'est un homme qui a participé à l'avortement de sa femme, il doit se repentir. Amen. Voilà, donc voilà le but de notre réunion de ce soir, parce qu'on n'a pas l'habitude de se rassembler le samedi. Amen. Alléluia. Amen. Comme ma fille Lynch n'est pas là pour les micros, ça serait un peu difficile. Faites un peu attention, s'il vous plaît. Amen. Ok. Donc, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Exode 23. Le verset 26. Amen. Exode 23, le verset 26. Maman Marguerite va lire au nom de Jésus. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Exode 23, au verset 26, au nom de Jésus. Amen. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. 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 Ok. Amen. Vous voyez que l'avortement, c'est quelque chose qui est interdit par Dieu depuis l'Ancien Testament même. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est quelque chose que même dans la loi, Dieu interdisait ça. Et ici, la Bible nous dit quoi? Il y aura dans ton pays ni femme qui avorte. L'avortement, c'est quoi d'abord? L'avortement, c'est quand vous provoquez exprès, voilà, la sortie d'un fœtus ou alors d'un nouveau-né. Je ne sais pas, parce qu'il y a les femmes même qui attendent. Je ne sais pas, bon, je ne m'y connais pas trop. Hein. Les femmes vont mieux nous enseigner sur ça. Amen. Je ne m'y connais pas trop. Mais je pense que quand la femme a déjà accouché et elle jette l'enfant, ce n'est plus l'avortement. On est d'accord, c'est ça, non? Hein? Là, ce n'est plus l'avortement. Mais même ça, c'est un crime. Mais même ça, c'est un crime. Est-ce que vous comprenez? Ok. La Bible nous explique ici que Dieu interdit l'avortement au milieu du peuple d'Israël. Il dit il n'y aura point d'avortement. Point d'avortement dans le pays. Donc, aucune femme. Donc, la loi de Dieu interdit l'avortement. Mais maintenant, l'avortement ici, nous allons prendre les différents cas. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a les femmes qui avortent exprès. C'est-à-dire, leur avortement, c'est tout simplement parce que peut-être elles ne veulent pas les moqueries du quartier. Pardon. Peut-être elles ne veulent pas les moqueries du quartier. Ou alors, elles ne sont pas prêtes à assumer financièrement, vous voyez. Ou alors, peut-être le papa de l'enfant refuse la paternité.
là, elle décide de provoquer l'avortement. Vous voyez, ça c'est l'avortement volontaire. C'est-à-dire, c'est toi-même qui as décidé d'enlever l'enfant. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle, par exemple, la fausse couche. La fausse couche, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas puni par Dieu. Parce que ce n'est pas quelque chose qui s'est passé avec ton consentement. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, tu peux être enceinte, après tu as une fausse couche. Tu vois, tu as une fausse couche et l'enfant sort. Là, ce n'est pas l'avortement. Ou alors, si on appelle même ça avortement, ce n'est pas quelque chose qui a été fait exprès par toi-même. Vous voyez? Et il peut aussi arriver que tu es enceinte et vraiment dans un cas extrême, tu arrives à l'hôpital et le médecin te dit que l'enfant peut être très mal placé dans le ventre et qu'il faut automatiquement une opération. Sinon, quand tu vas accoucher, tu vas mourir. On peut provoquer l'avortement. Ça, ce n'est pas un péché. Est-ce que vous comprenez? Ça, ce n'est pas un péché. Ça, c'est dans les cas vraiment que le médecin, le docteur te dit que non. L'enfant là, si tu accouches, tu vas mourir, tu vas passer. Est-ce que vous comprenez? Si tu accouches, tu vas passer. Donc, si tu acceptes accoucher et passer, ça devient comme un suicide. Ça veut dire que tu es un criminel. Tu t'es tué toi-même. Amen. Parce qu'il y a les cas comme ça. Il y a les enfants qui sont parfois mal placés dans le ventre. Que vraiment, si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est fini pour toi. Vous savez ça, non? Les femmes connaissent ça mieux que moi. C'est ça, non? C'est-à-dire, tu pars à l'hôpital et le docteur te dit que la tête de l'enfant est montée comme ça, le pied est parti là-bas, la main est partie là-bas. L'accouchement, c'est vraiment, si tu fais ça, vraiment, tu vas passer tout ça. Voilà. Ok. Là, on ne parle pas d'avortement volontiers. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était quelque chose qui était au péril de ta vie et c'est normal que, avec la médecine, si la médecine ne peut pas, tu pries. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu es obligé d'enlever. Selon comme le médecin t'a expliqué, peut-être d'interrompre la grossesse. Parce qu'il y a les grossesses à risque. Vous voyez souvent les femmes qui meurent sur les tables d'accouchement. Vous connaissez ça, non? Vous savez ça, non? Mieux que moi. Hein? Voilà. Ça cause de tous ces problèmes-là. Ok. Et ici, Dieu dit, il n'y aura point de femme dans ton pays qui avorte. Donc, vous voyez que ici, Dieu est contre l'avortement. Donc, l'avortement, c'est un crime. Alléluia. Et maintenant, quand vous avortez, écoutez, allons maintenant dans Genèse. Je vais lire ça moi-même pour être un peu rapide. Allons dans Genèse. Genèse 4, je pense bien. Voilà, oui. La Bible dit quoi dans Genèse 4? Il dit, « Cependant, Caïn agressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. » Amen. Et la Bible continue en disant quoi? « L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Est-ce que vous comprenez? La voix du quoi? Du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a deux péchés. Il y a le péché du sang et il y a le péché des ténèbres. Allons un peu dans Ésaïe. Je vais vous montrer quelque chose. Je ne veux pas enseigner. On est sur la repentance pour toutes les femmes qui ont avorté là. Donc, on est sur la repentance pour prier, pour demander pardon à Dieu pour ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que je vous dis ça parce que j'ai eu une vision où Dieu, j'étais comme dans le ciel. Bon, avant d'être dans le ciel, j'étais comme dans les nuages. Et dans les nuages, il y avait comme les escaliers. Est-ce que vous comprenez? Il y avait les escaliers. Et les escaliers, si c'était sous forme de nuages. Et il y avait la porte du ciel. Et il y avait un costaud lion. Le lion là, c'était le lion de la tribu de Judas, une représentation de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Et il était devant la porte du ciel. Il était tellement énorme, vous voyez, que j'étais devant lui comme une fourmi. On peut dire ça comme ça. Et quand je montais les escaliers en nuage, je suis arrivé devant la porte du ciel. J'ai voulu entrer. Il était devant moi et il me regardait si sur moi il y avait une tache. Est-ce que vous comprenez? Il me regardait et il était très nerveux. Un lion très nerveux et très dangereux. Et quand il a vu sur moi, il n'y avait rien d'impur.
il s'est reculé de la porte du ciel. Avant de se reculer, il m'a tendu sa patte et il m'a salué. Et il s'est reculé de la porte du ciel, il m'a laissé entrer. Et je suis entré, je me suis réveillé. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est juste pour vous dire quoi? Qu'il n'y a rien de souillé qui ne doit entrer au ciel. Est-ce que vous comprenez? Il y a encore le Seigneur me montrait mon vêtement spirituel. Et j'ai vu un vieillard comme l'ancien des jours qui était devant moi très nerveux, très fâché. Mais je me battais à entrer, à venir vers lui. Je me battais, je faisais tous les efforts pour venir vers lui. Et j'ai pu, par la grâce de Dieu, obtenir ces efforts-là. Et je suis entré dans sa présence. Et une fois dans sa présence, qu'est-ce que le vieillard a regardé? J'avais un vêtement blanc. La chose que le vieillard regardait face à moi, sur moi, c'était mon vêtement. J'ai la vision, c'est hier. Donc, comme j'ai parlé de l'avortement avec vous hier, là, j'ai dormi, Dieu m'a montré ça. La chose que Dieu regardait, ce vieillard qui était comme l'ancien des jours, d'une très belle vieillesse, la chose qu'il regardait sur mon vêtement, c'était, il regardait s'il y avait les taches. Il était tellement concentré sur mon vêtement que moi-même dans la vision, je faisais comme ça. Je regardais s'il n'y avait pas de taches sur mon vêtement. Et moi-même, j'ai vu mon vêtement était très propre. Et je suis passé. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont des témoignages pour vous dire que le monde spirituel est réel. Ce n'est pas l'amusement. On n'est pas là pour s'amuser. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas là pour s'amuser. Je vous dis la vérité. On n'est pas là pour s'amuser. Donc, le nombre d'années qu'a duré ton avortement, sache que si tu n'as pas, tu ne t'es pas repenti devant un homme de Dieu, ce ne sont pas les péchés que tu vas dire, tu pas fait, tu entres dans ta chambre, tu pries et Dieu te pardonne. Ça ne se passe pas comme ça. Le monde spirituel a une loi, ça a une hiérarchie. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu respecte tout ce qu'il a établi. Il a établi les sacrificateurs. Si tu as péché, surtout ce genre de péché, tu ne peux pas commettre un crime et tu dis que tu entres dans ta chambre, tu te mets à genoux, tu pries. Même la fille que j'ai consultée par la grâce de Dieu hier, si, par l'Esprit de Dieu, elle m'a dit qu'elle avait que toute sa vie, depuis qu'elle a fait ça, elle demandait pardon à Dieu. Ça faisait 5 ans. Mais j'ai prié avec elle, Dieu m'a montré ce péché. Ça veut dire que ce péché n'était pas effacé. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ce péché n'était pas effacé. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur hier vendredi de parler de ça avec vous. Et vous voyez, j'ai parlé de ça avec vous presque toute là. Vous avez levé les mains, voilà, que vous avez fait l'avortement, que ce soit dans votre jeunesse ou dans votre vieillesse, je ne sais pas. Mais vous voyez, imaginez que le Seigneur revenait. Vous voyez pourquoi on dit souvent que quand Dieu va revenir dans une église de 1000 personnes, il va prendre 2 et partir, non? Alors que tout le monde priait. Ah, bon Dieu! Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous comprenez? C'est les erreurs comme ça. Vous voyez, dans une église de 10 000 personnes, le Seigneur revient et parmi les 10 000 personnes, Dieu enlève 2 personnes. Alors que tout le monde était dans l'adoration, tout le monde était dans la prière. Mais toutes 10 000 personnes, Dieu enlève 2. 2 personnes partent au ciel. Tout le reste descend en enfer. Ça cause des choses comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ça cause des choses comme ça. Parce que vous êtes resté avec les crimes sur vous, donc vous n'avez pas demandé sincèrement pardon à Dieu, ou alors vous avez demandé pardon, mais le pardon ne pesait pas de telle sorte parce que la repentance doit vous briser le cœur. Est-ce que vous comprenez? Un regret total, un regret amer de ce que l'on a fait. C'est ça la repentance. Ce n'est pas d'aller commettre le crime. Tu viens, tu dis, Seigneur, je te demande pardon, j'ai commis l'avortement, s'il te plaît, pardonne-moi par ton sang, au nom de Jésus, amen. Tu te lèves et tu dis que tu as demandé pardon à Dieu. Et quand tu viens consulter le prophète, Dieu montre encore que voilà le péché là sur toi, alors que tu demandes pardon sur ça depuis 10 ans. Je ne peux pas compter le nombre de femmes qui m'ont appelé et Dieu m'a révélé que leur problème c'était l'avortement. Je ne peux pas compter. Elles sont nombreuses comme ça là. Est-ce que vous comprenez? Ne vous conformez pas au siècle présent. Je vous ai enseigné ça hier. Si Dieu, si le monde vous dit l'avortement autorisé, ça ne veut pas dire que vous, enfants de Dieu, vous avez l'autorisation de le faire. Vous vivez sur l'autorité suprême, qui est l'autorité de Dieu, divin. Est-ce que vous comprenez? Une autorité divine, d'autant pour moi. Est-ce que vous comprenez? Donc nous, notre autorité vient du ciel.
Notre autorité, ce n'est pas sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas respecter les autorités sur la terre. On doit les respecter. Mais on ne doit pas se conformer à leur siècle. Ce siècle qui est présent. C'est-à-dire, l'homosexualité, ils légalisent. Comme ils ont légalisé, ok, je prends une femme, je m'en vais me marier avec elle, moi qui suis femme. Je prends un homme, je m'en vais me marier avec lui, je suis un homme. Ça devient la pédophilie. Là, on est contre la... Ça devient l'homosexualité. Là, on est contre la loi de Dieu. On est contre la loi même de la nature. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, imaginez que je ne vous avais pas parlé de ça hier, par l'Esprit de Dieu. Et que le Seigneur revenait peut-être avant hier là. Qui là devait être enlevé? Toutes les femmes là devaient partir en enfer. Vous tous là qui priez. Peut-être il y a seulement deux qui n'ont pas fait ça. Hein? Vous ne parlez pas. Si vous voulez vous vous fâcher, moi je parle, moi je suis comme ça. Je suis pas là que... Moi c'est comme ça que je suis. Moi, ce que je veux, c'est que l'âme de chacun, de chacune soit sauvée. Dans vos humeurs, sincèrement vos humeurs, moi je ne suis pas trop dans vos humeurs. Ce qui m'intéresse, c'est vos âmes. Ce n'est pas vos humeurs. Si tu te fâches et que ton âme est sauvée demain, vraiment c'est ça ma priorité. Ce n'est pas que tu es fâcherie, non. Je te dis la vérité. Amen. Alléluia. Alléluia. Si vous ne vous fâchez. Bah, je vois, je parle. Vous me menacez avec les yeux. Vous me regardez comme ça. C'est-à-dire, vous me menacez. Vous me menacez. Moi, vous. Si j'étais même à côté, vous deviez me gifler même que tais-toi là-bas. Amen. Alléluia. Si c'est le regret, gloire à Dieu. C'est un bon regret. Amen. Je vous ai dit que tous ceux qui sont connectés dans ce ministère, c'est le ciel obligé. Je vous dis la vérité. Ok. Nous allons maintenant entrer dans Ésaïe 1, le verset 18. Alléluia. Ésaïe 1, le verset 18. Maman Marguerite va lire au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 1, Amen. 18. Amen. Oh mon Dieu. Je lis la parole de Dieu. Amen. 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 Prenez et plaidons l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la mer, ils deviendront comme la laine. Amen. Amen. Vous voyez la miséricorde de Dieu. Dieu dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Et c'est ce qu'on a fait. Donc hier, on a évoqué le sujet par l'Esprit de Dieu et nous sommes venus pour plaider devant Dieu, pour pleurer, crier à Dieu, pour demander pardon à Dieu, afin que ce péché soit effacé. Amen. On n'est pas venu se regarder pour se... On ne s'est pas réuni pour se regarder, non. On est venu pour plaider, pour crier, pour demander pardon à Dieu. Amen. Amen. Il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Le cramoisi, c'est quoi? Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y a deux formes de péché. Il y a le péché qui est comme le cramoisi, qui représente les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Il y a le péché qui est comme le cramoisi, qui représente les ténèbres, c'est-à-dire qui est noir. Le péché qui est noir. Vous savez que les ténèbres, c'est sombre. C'est l'obscurité. Vous savez ça, non? Voilà. Donc, c'est ça le cramoisi. Et Dieu dit, si ton péché est comme le cramoisi, tu viens, tu plaides, tu demandes pardon avec un cœur vrai. Dieu dit qu'il va te pardonner. Et tu deviendras blanc comme la neige. Alléluia. N'est-il pas bon ce Dieu? Hein? N'est-il pas bon? Amen. Il est bon. Et il dit ensuite, il dit quoi? Voici maintenant le péché qui concerne le sang. L'avortement, c'est le sang. Alléluia. Il dit, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Rouge, s'il représente le sang. C'est pourquoi je vous ai expliqué dans le livre de Genèse que quand Caïn a tué son frère Abel, son sang a crié, son sang est arrivé jusqu'au ciel. Est-ce que vous comprenez? C'est quitté de la terre et ça allait crier jusqu'à devant le trône de Dieu.
Donc, c'est la même chose. Toutes ces femmes qui avortent, le sang de ces enfants-là, ça crie de la terre jusqu'à Dieu. Ça les accuse devant Dieu. Que Seigneur, regarde comment ma mère m'a levé. Oh mon Dieu, parce que dans le sang, il y a l'âme. Est-ce que vous comprenez? Ça crie. Seigneur, regarde comment ma mère, même si c'est un nouveau-né, dès que le fœtus l'a formé, c'est un être humain. Même s'il ne parle pas encore, son sang parle dans l'esprit. Dans le sang que vous versez, ça crie de la terre jusqu'à Dieu. Seigneur, rends-moi justice. Regarde ma mère, je n'ai rien fait, mais elle m'a avorté. Regarde, elle m'a avorté. Elle m'a avorté. Le sang crie, le sang crie. Net comme le sang d'Abel criait devant Dieu, de la terre jusqu'à les cieux. Amen. Donc, toutes les femmes qui avortent, ce sont des choses spirituelles. Donc, quand vous avortez, le sang de ces enfants crie jusqu'à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça crie jusqu'à Dieu. Ça crie jusqu'à Dieu. Amen. Il dit, s'ils sont rouges comme le pourpre, donc si ton péché est rouge même comme quoi? Le péché là, c'est le sang que tu as versé, c'est le péché du sang. Je vous ai donné les deux formes du péché, du cramoisi et rouge. C'est-à-dire le cramoisi qui représente le péché noir comme les ténèbres et le rouge qui représente le sang, le péché du sang quand on a tué quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Quand vous avez tué quelqu'un, ce péché représente le sang. Est-ce que vous comprenez? Et le sang, si, voilà, il dit, s'ils sont rouges comme le pourpre. Amen. Ils deviendront comme la laine. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de demander pardon à Dieu pour le péché rouge comme le pourpre. Donc, sur toutes les femmes qui ont versé le sang. Est-ce que vous comprenez? C'est un crime. Amen. C'est un crime. Mais nous ne sommes pas là pour vous condamner. Nous sommes là pour plaider devant Dieu. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de condamnation. Nous ne sommes pas là pour condamner, pour dire que comme tu as tué là, toi aussi tu vas aller en enfer. Non. Tant qu'il y a la vie, on peut. Il y a souvent, c'est un proverbe Chanel ou c'est quoi qui dit ça. Qui dit tant qu'il y a la vie, espoir. Alléluia. Donc, tant que tu vis, tu dois te repentir. Tu as la possibilité de te repentir pour ton péché. C'est si tu meurs dans ça que c'est fini pour toi. Parce que la Bible dit que Dieu n'écoute pas les péchés les prières, d'autant pour moi des pécheurs. Amen. Amen. Voilà. Donc, chacun va confesser. Nous sommes nombreux. Je ne peux pas dire que chacun dit, Seigneur, je demande pardon, ça va nous perdre le temps. Donc, chacun, vous allez confesser tous en même temps. Priez. Je n'ai pas dit que vous priez dans vos gorges. Priez. Priez. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, allez-y. Toutes les femmes qui ont avorté, allez-y. Seigneur, je te demande pardon. Allez-y. Priez. Priez. Priez avec un cœur sincère. Oh, Zamarabusanda. Seigneur, pardonne ton peuple, pardonne tes enfants, mon Dieu. Pardonne tes enfants, Saint-Esprit. Pardonne tes enfants, Saint-Esprit. Pardonne tes enfants, Saint-Esprit. Pardonne tes enfants, Saint-Esprit. Tu dis dans ta parole que si nos péchés sont noirs comme le cramoisi, Seigneur, tu nous pardonnes et qu'elles deviendront, Seigneur, comme la laine au nom de Jésus, comme la neige au nom de Jésus. Seigneur, pardonne les péchés de chacune, de toutes les femmes qui ont commis l'avortement. Père, je prie que tu les pardonnes au nom de Jésus. Seigneur, pardonne ton peuple, pardonne tes enfants, pardonne tes servantes, pardonne Éternel, pardonne Dieu de gloire, pardonne Saint-Esprit, pardonne l'agneau de Dieu, pardonne le ressuscité, pardonne le Père des esprits des prophètes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, lave, Seigneur, tes enfants. Seigneur, lave, Seigneur, tes enfants. Lave-les, Seigneur, de tous ces péchés qui crient dans leur vie. Lave-les, Seigneur Jésus. Lave, Seigneur, ton peuple. Lave, Saint-Esprit. Lave au nom de Jésus. Lave au nom de Jésus. Lave au nom de Jésus. Lave au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ozamarabusanda. Seigneur, pardonne tes enfants. Pardonne tes enfants ici présentes. Pardonne toutes celles, Seigneur,
tous, toutes, toutes, Seigneur, qui ont commis l'avortement, pardonne, Seigneur. Le crime de l'avortement, pardonne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, pardonne. Pardonne du crime de l'avortement, Seigneur. Pardonne du crime de l'avortement, Seigneur. Nous venons plaider, Seigneur. Nous venons plaider, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu. Seigneur, pardonne. Seigneur, nous plaidons devant toi. Nous plaidons. Pardonne, Seigneur Jésus. Nous nous repentons. Ton peuple se repent, Seigneur. Pardonne tes enfants. Seigneur, pardonne tes enfants. Pardonne pour tout avortement. Pardonne, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pardonne tes enfants pour tout avortement, pour tout crime d'avortement. Au nom de Jésus. Oh, Mazama Rabusanda. Oh, Zama Rabusondoro Koshevara Izama. Seigneur, pardonne tes enfants au nom de Jésus. 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 Pardonne, Seigneur, tes enfants dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne, elles sont nombreuses, Seigneur. Laisse que ton sang purifie chacune. Oh, Seigneur, une repentance pour l'avortement. Père, je prie pour tes enfants. Je prie pour tes servantes. Au nom de Jésus, que tu pardonnes chacune. Que tu pardonnes chacune. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, pardonne tes enfants. Zamarabo sandarebo sondoro koshevara izama. Père, pardonne, Seigneur, au nom de Jésus. Pardonne tes enfants, Saint-Esprit. Pardonne, Elohim. Pardonne, Dieu de gloire. Pardonne, Dieu d'amour. Pardonne, Esprit de Dieu. Pardonne, souverain grand Dieu d'Israël. Pardonne, mon Père, mon Dieu, mon Roi. Au nom de Jésus, pardonne, Seigneur. Pardonne tes enfants. Pardonne ton peuple. Pardonne, Seigneur, chacune. Pardonne, Seigneur, pour l'avortement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Priez, 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 priez. Criez à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Il est juste. Il vous pardonne ce soir. Quel qu'en soit le nombre d'années que cet avortement a fait, le Seigneur est fidèle et juste pour vous pardonner ce soir. Demandez juste pardon avec un cœur sincère. Demandez pardon avec un... Seigneur, pardonne à ton peuple au nom de Jésus. Oh, Zamarabo Sanda. Ribokanda Rabo Sondoro Koshevara Izama. Seigneur, pardonne à ton peuple. Personne ne veut perdre la vie éternelle. Père, ton peuple crie à toi. Pardonne, Seigneur. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu pardonnes ton peuple. Oh, Zamarabo Sanda. Ribo Kanda Rebo Sondoro Koshevara Izama. Crie à Dieu. Priez, priez, priez. Oh, Zamarabo Sondoro Koshevara Izami. Seigneur, pardonne tes enfants. Pardonne les péchés qui sont noirs comme le cramoisi, Seigneur. Pardonne les péchés qui sont rouges, Seigneur. Seigneur, pardonne au nom de Jésus. Ton sang qui est puissant, Seigneur, pardonne par ton sang. Au nom de Jésus, pardonne Yahvé, pardonne Saint-Esprit. Pardonne l'agneau de Dieu. Pardonne Esprit de Dieu. Pardonne Dieu Tout-Puissant. Pardonne Elohim. Pardonne ton peuple. Pardonne tes enfants. Pardonne Seigneur.
Oh Zamara Moussanda. Seigneur, pardonne à ton peuple. 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 Seigneur, pardonne à ton peuple au nom de Jésus. Oh Zamara Moussanda. Seigneur, pardonne à ton peuple. Seigneur, pardonne à tes enfants. 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 Pardonne à tes enfants, Seigneur. Pardonne, Saint-Esprit. Pardonne à tes enfants. Priez, priez, priez. Crie à Dieu. Crie à Dieu, enfant de Dieu. Crie à votre Père. Criez, Dieu, c'est votre Père. N'ayez pas honte. Dites-lui tout. Si vous avez avorté 5 fois, dites à Dieu, Seigneur, j'ai avorté 5 fois, pardonne-moi. Si vous avez avorté 10 fois, dites, Seigneur, j'ai avorté 10 fois, pardonne-moi. Confessez-vous devant l'Éternel. Confessez-vous, peuple de Dieu. Repentez-vous devant votre Père. Demandez pardon à Jésus. Priez, 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 priez. Priez, enfant de Dieu. Demandez pardon à votre Père. Demandez pardon à votre Père. Dites-lui le nombre de fois que vous avez avorté. Et demandez-lui pardon au nom de Jésus. Demandez-lui pardon au nom de Jésus. Demandez-lui pardon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Zimara Bosondoro Koshivara. Ribo Kandara Bosondoro Koshivara Isami. Père, nous te demandons pardon. Père, je prie pour ton peuple. Pardonne tes enfants. Pardonne ton peuple. Pardonne, Seigneur, au nom de Jésus. Pardonne, Saint-Esprit. Pardonne l'agneau de Dieu. Pardonne le ressuscité. Au nom de Jésus, pardonne, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, pardonne tes enfants au nom de Jésus. Zemara Bosondoro Koshevara. Ribo Kandarabo Sendere Koshevara Izama. Rabuni Zamata Rabo Sondo. Ribo Kandarabo Ikava. Redo Sondara Izame. Zimbandara Kosondora Kashi. Zeva Mareboro Koshevara Izama. Zaizamura Isala Ikave. Zemotava Zamala Izalo. He Samarabo Sondo. Jevarabo Sandare Kosevara Izame. Père, ton peuple te demande pardon au nom de Jésus. Elohim. Zemarabo Ikava. Seigneur, ton peuple te demande pardon. Ton peuple crie à toi, Seigneur. Ton peuple pleure devant toi. Père, je prie que tu pardonnes au nom de Jésus. Père, je prie que tu pardonnes au nom de Jésus. Je prie que tu pardonnes tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne, Seigneur, afin qu'ils aient la vie sauve. Pardonne afin qu'ils entrent dans ton royaume. Qu'ils te voient le jour de l'enlèvement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils entrent dans ta maison, Seigneur. Pardonne les péchés. Pardonne l'avortement. Pardonne, Saint-Esprit. Nous avons pris cette journée, ce samedi, Seigneur, pour prier, Seigneur, pour nos péchés. Pour prier pour les péchés de l'avortement. Zemarabo Sondoro Koshiva. Ribo Kandarabo Sondore Kasevara Isali. Seigneur, pardonne tes enfants au nom de Jésus. Seigneur, pardonne tes enfants au nom de Jésus. Seigneur, pardonne tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur.
Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. C'est bon, c'est bon. Amen. Dieu, le Seigneur a dit qu'il vous a pardonné. Alléluia. C'est ce que j'attendais dans l'esprit. Dieu a dit qu'il vous a pardonné. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que le Seigneur m'a dit dans l'esprit. Quand j'étais adossé comme ça, Dieu m'a dit, je les ai pardonnés. Alléluia. J'ai dit quoi? Écrivez ça quelque part. Dieu m'a dit, je les ai pardonnés. Est-ce que vous comprenez? Dieu m'a dit, je les ai pardonnés. J'ai entendu ça deux fois dans l'esprit. La première fois, j'ai entendu, mais je suis resté tranquille. Et Dieu a répété, je les ai pardonnés. Amen. Amen. Alléluia. Acclamez Jésus. Oh Jésus. Acclamez, acclamez pour Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Donc, vous voyez que si j'ai entendu Dieu me dire deux fois, je les ai pardonnés dans l'esprit. Ça veut dire que les péchés là étaient sur vous. Vous convenez maintenant avec moi sur ce que je vous disais tout à l'heure. Que c'est comme ça que Jésus arrive dans l'église. Sur 10 000 personnes, il prend deux pour aller au ciel. Parce que tout le reste avait des péchés sur eux qui n'étaient pas confessés. Ou alors qui étaient mal confessés. Et je vous ai dit que je vous ai donné la vision que j'ai eue. Où il y avait le lion de la tribu de Judas devant la porte du ciel qui ne laissait personne de souiller ancré dans la porte du ciel. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Okay. Amen. Tout ce que je vous dis ici, Dieu m'est témoin. Et j'enregistre ça, ça va passer sur YouTube. Donc même après ma mort, ça va rester sur YouTube. Et Dieu, et je parle devant l'Esprit de Dieu en tant que prophète de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc ce n'est pas l'amusement. Quand je dis Dieu a parlé, Dieu a parlé. Quand je dis, Dieu m'a donné telle vision, Dieu m'a donné telle vision. Donc, ça veut dire que si je vous mens, même après ma mort, Dieu va me juger sur ça. Parce que les vidéos là-même, ça reste sur YouTube. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je vous dis que je suis allé et j'étais devant la porte du ciel et j'ai vu le lion de la tribu de Judas, il ne laissait personne de souiller entrer dans le ciel. Ce n'est pas l'amusement. Je ne suis pas là pour vous raconter les histoires, pour vous bluffer. Je vous donne des témoignages de comment ça se passe dans le spirituel. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, je parle devant l'Esprit de Dieu. Ce sont des témoignages vivants. Et je vous ai dit que hier encore, j'ai vu un vieillard qui, quand j'étais devant lui, là, ce qu'il regardait sur moi, c'était mon vêtement spirituel. Il a tellement regardé mon vêtement que moi-même, dans la vision, je regardais comme ça pour voir s'il y avait une tache. Mais il n'y avait rien. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'église, ce n'est pas que on est seulement là, alléluia, amen, et après, non. Je vous ai toujours dit de ne pas servir Dieu pour aller à l'enfer. La personne n'a qu'à fermer son micro. Est-ce que vous comprenez? Oui, la personne qui rentre là n'a qu'à fermer son micro. Papa, excuse-nous, prophète, voilà, mais ferme, maman, il faut fermer ta caméra, parce qu'on te voit en train de vomir là. Il faut fermer ta caméra. Peut-être, elle, c'est la délivrance. C'est qui vomit c'est là? C'est la délivrance. C'est la délivrance? Oui. Mais pourquoi vous la fusquez comme ça? C'est la délivrance. Demandez-lui de mettre un peu sa caméra. Je veux la voir. Elle a vomi quoi? La délivrance. Elle est en train de roter. Mais elle peut couper. Comme tu parles, c'est là. On a intervenu là. Oui, mais elle vomit. C'est quand on priait. Oui. Non, elle rote. Elle rote. Elle rotait. Mais elle n'a pas vomi. Non, elle vomissait aussi. Elle vomissait. Parce que moi-même, j'ai vu elle ça. Vomissait. Elle vomissait. Ça, c'est la délivrance. Oui, oui. Comme moi, j'avais des yeux fermés. J'ai rien vu. Oui.
Elle vomissait. Elle crachait, quoi. Ah, moi, j'avais les yeux fermés, donc j'ai rien vu. Non, c'est la délivrance, ça va, il n'y a pas de souci. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est-à-dire, vous êtes violent, hein. J'ai peur de vous. Si je m'amuse ici, vous allez me taper comme ça, maman, elle va dire que... Oh, Seigneur, qui m'a envoyé? Vous voyez, ma fille Tina, c'est-à-dire, je l'en veux pas, mais elle a un zèle pour la discipline. Je vous dis la vérité. J'ai envie de pleurer quand je parle. Elle a un grand zèle. J'ai remarqué ça sur elle. Elle n'aime pas le désordre dans la présence de Dieu. Mais pourtant, ça me crée beaucoup de problèmes. Hein. Les gens n'aiment pas ça. J'apprécie beaucoup ça. C'est ça qu'on dit, respecter la présence de Dieu. J'ai remarqué ça sur elle. Est-ce que vous comprenez? C'est quelqu'une, c'est-à-dire, quand on est dans la présence de Dieu, elle n'aime pas. Donc, elle est un peu comme moi. C'est comme moi, je supporte. Mais il y a les gens comme ça que... Le zèle, c'est-à-dire le zèle les rend furieux. Est-ce que vous comprenez? Et ils ne pêchent pas, ce n'est pas le péché, c'est normal. Il y a les gens comme ça, c'est-à-dire, ils craignent tellement Dieu qu'ils n'aiment pas voir n'importe quoi dans la maison de Dieu. Ça les fait un jar, c'est normal. Est-ce que vous comprenez? Il y a les gens comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas que quand elle fait ça, elle pêche. Non, ce n'est pas le péché. Au contraire, c'est bien. Mais maintenant, le problème, c'est que l'homme de Dieu, il ne peut pas tout faire, vous voyez un peu. Donc, je ne peux pas... Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Vous voyez, le amen. Seigneur a pardonné. Amen. Donc, c'est amen. Ça. Dans tout ce que je vous explique tout à l'heure, je vous expliquais ce témoignage et je vous disais, ce sont des choses qui sont vraies. Ce n'est pas que je raconte des bobards. Est-ce que vous comprenez? Parce que avant de sortir quelque chose de ma bouche pour dire Dieu a dit ou bien j'ai vu ça, je réfléchis 6 fois. Dieu a parlé la première fois, je les ai pardonnés, mais je ne vous ai rien dit. C'est quand ça a répété, avant que j'ai dit stopper, Dieu vous a pardonné. Est-ce que vous comprenez? Donc, amen. À partir d'aujourd'hui, ne pensez plus jamais à ces péchés-là. Oubliez ça comme ça, là. C'est passé. Dieu vous a pardonné. Il vous a lavé. Alléluia. Il vous a lavé. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne pensez plus à ça. Il vous a lavé de tout ça. Enlevez ça dans votre esprit. Donc, Dieu vous a lavé. Sauf si vous partez encore faire un autre. Là, c'est très grave. Amen. On ne va plus recommencer. Je vous dis la vérité. Si vous faites ça, non, ne m'appelez même pas. Allez prier avec un autre homme de Dieu. Parce que je ne veux pas prier sur ça 2 fois. Je vous dis la vérité. Parce que la Bible dit quoi? Dieu dit que il pardonne, mais à condition qu'on ne refait, on ne refait plus la même chose. Parce que sur l'avortement, il n'y a pas que si ça arrive. Non. Même si tu es dans quelle situation, accouche ton enfant. J'ai prié avec les femmes comme ça qui n'ont jamais eu d'enfant à cause de ça. Que ce n'est pas la malédiction, hein, que c'est Dieu lui-même qui les a bloqués. Comme la femme de l'Allemagne d'hier. J'ai vu la croix rouge sur son ventre qu'elle ne devait plus avoir d'enfant à cause de l'avortement. Elle a 35 ans, ou c'est 35 ans, ou c'est 30, combien dans 34 ans. Elle pleure pour l'enfant depuis. Or, Dieu lui a donné l'enfant, il y a de cela 5 ans, elle allait jeter. Vous voyez? Ok. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ok. Est-ce que... Oui. J'ai une question. Oui, allez-y. Bon, je voulais dire, bon, mes parents ont quitté le monde un peu plus tôt. Mm-hmm. Et puis, j'ai pris la responsabilité de mes frères et sœurs. Mais j'avais un boulot qui ne me permettait pas de rester à la maison. Je partais tout le temps et tout et tout. Donc, le voisin avait profité de ma cadette qui avait 14 ans à l'époque. Oui. Elle est tombée enceinte. Mais je l'ai fait avorter. C'est le péché. J'avais 14 ans. C'est le péché. Tu as participé à l'avortement. Tu es un criminel. Bon, tu étais parce que Dieu t'a pardonné. Amen. Amen. Donc, Dieu t'a... Je vous ai dit, même si c'est vos enfants, vous avez les enfants, ils tombent enceintes. Même si elle a 14 ans, 15 ans. Est-ce que vous comprenez? Si ce n'est pas que c'est quelque chose de la médecine qui dérange ou bien sa vie à risque, si vous provoquez l'avortement là exprès, c'est-à-dire vous partez seulement parce que vous n'aimez pas la tête de la personne qui a fait l'enfant là, ou bien vous voulez juste
que l'enfant elle doit faire ses études. Vous êtes dans l'erreur. Laissez l'enfant là accoucher. Est-ce que vous comprenez? Si elle part à l'hôpital, et même si elle a 15 ans, et le docteur dit qu'ok, elle peut accoucher, il n'y a pas de problème, laissez-la accoucher. Est-ce que vous comprenez? Laissez-la accoucher, ne doublez pas le péché. Parce que l'enfant, elle a forniqué, elle est tombée enceinte, ça fait un péché. Tu pars, tu enlèves, ça fait deux péchés. Or, si tu laissais comme elle a forniqué, elle est tombée enceinte, tu laissais un péché, tu pries, tu demandes pardon à ça, Dieu pardonne, tu restes tranquille, tu fais la couche. Peut-être l'enfant là sera un prophète demain, qui sait? Mais tu cours, tu peux enlever ou tu participes. C'est très dangereux et beaucoup de mamans ont fait ce genre d'erreur. Vous voyez un peu. Mais Dieu vous a pardonné. Amen. Amen. Dieu a pardonné. Ok. Nous allons prier pour les offrandes. Il y a encore les mains. Oui, allez-y. En fait, je voulais poser une question en fait. Oui. En fait, j'ai la mère de ma fille. Oui. Au début, donc, elle est musulmane et moi, je suis chrétien. Donc, quand elle est tombée enceinte, elle m'a dit, moi, j'ai peur de mes parents et même si tu ne veux pas, je vais avorter. Moi, je n'étais pas pour, donc elle a avorté. Oui, si elle a avorté sans votre consentement, c'est son péché. Parce que vous n'avez pas participé à ça. Vous comprenez? D'accord. Ça veut dire que c'est son péché. Elle doit se repentir à elle. Bon, elle est musulmane, je ne sais pas comment vous gérez. Elle gère là-bas. Ok. Donc, parce qu'il y a même les maris là qui, parfois vous avez deux, trois enfants, vous ne voulez plus, mais vous continuez à aller avec votre femme, et elle tombe enceinte, tu dis, non, je ne voulais pas trois enfants, pourquoi tu n'as pas pris les précautions? Hein? Quand vous étiez deux places sur le lit, tu étais, oui, vas-y, oui, oui, chérie. Maintenant, quand ça arrive, tu dis que non, tu voulais te limiter seulement à deux enfants, tu peux avorter, ou bien tu pousses ta femme à aller avorter, pas que la femme veut, mais toi-même, tu l'obliges que va avorter. C'est l'erreur. Tu as participé au péché. C'est toi-même le problème. Amen. Amen. Voilà. Donc, mais le Seigneur nous a pardonné. Alléluia. Le Seigneur a pardonné. Donc, il n'y a plus... Personne n'est plus coupable là ou bien personne n'est plus condamné là par rapport à ce problème. Ok. C'est que je vais vous... Il y a encore deux mains. Oui. Il y a encore deux mains. Oui. Oui, oui. Allez-y, parlez, s'il vous plaît. Oui, moi je suis arrivée en retard parce que j'essaie de me connecter depuis 45 minutes, mais ça ne passait pas. Quand même, et j'ai dit que je suis en pleine prière et je peux également commencer la prière. Donc, je voulais savoir si je suis particulièrement constant, pardon, quand je suis dans la. Oui. Oui, il faut m'appeler demain en journée, je vais prier avec toi. Tu comprends? Tu comprends, non? Elle comprend? C'est parce que ma fille Linchela, elle n'est pas là, c'est elle qui connaît gérer Zoom là. Bon, c'est vrai que Allô? Oui, baissez un peu la musique, s'il vous plaît. Oui. La main levée, c'était qui? Christine et Bello. Oui, oui. Oui, prophète, bonsoir. Mais je voulais profiter de l'occasion par rapport à ce que maman Marguerite a dit. Oui. J'ai fait la même chose à ma petite soeur. Mais bon. Dieu m'a puni parce qu'elle est retombée encore enceinte avec la même personne. Donc, c'est moi qui me suis occupée de l'enfant, la grossesse et tout, jusqu'au bout. Quoi. Voilà, c'est ça que je ne voulais pas et je lui ai fait avorter. Mais Dieu m'a puni, elle est retombée enceinte. Mais je me suis occupée de l'enfant. Voilà. Ok. C'est juste pour dire ça. Ok, mais Dieu vous a pardonné, c'est bon. Amen. Ok. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Ce que je vais vous demander, il faut que chacune de vous, vous comprenez, chacune de vous, vous faites une action de grâce à Dieu. Dites merci à Dieu, faites une action de grâce à Dieu, chacune de vous. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oui, faites une action de grâce à Dieu. Donc, chacune, faites une action de grâce à Dieu. Quand je priais là, Dieu m'a montré ça dans l'esprit. Faites chacune une action de grâce à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà, chacune, faites une action de grâce à Dieu.
toutes les femmes qui ont avorté et les hommes qui ont participé à l'avortement, ou bien les femmes qui ont participé, tous ceux qui étaient concernés pour l'avortement, faites une action de grâce à Dieu, de reconnaissance, pour dire merci à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Faites une action de grâce à Dieu. Ok. L'action de grâce, ce n'est pas l'action de grâce mercière. Non. Parce que vous là, quand vous parlez spirituellement, vous voulez toujours pas en crier pour que vous compreniez. C'est-à-dire les chrétiens. Amen. Amen. Ok. Nous allons prier. Vous allez lever. Oui. En fait. Oui. S'il vous plaît. Moi, j'aimerais rendre grâce à Dieu parce que moi je ne suis pas concernée ni l'avortement, ni les pilules, tout ça, mais le Seigneur m'a mis à cœur de participer aujourd'hui pour intercéder pour mes sœurs. Amen. Et pendant qu'on intercédait, le Seigneur m'a parlé de cette action de grâce-là. Donc, j'allais le dire que les sœurs qui ont reçu cette grâce du pardon puissent faire une action de grâce pour ça. Oh. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. J'ai reçu du Seigneur quand on priait. Donc, j'ai béni le Seigneur parce qu'elle m'a mise à cœur, il m'a mise à cœur vraiment de participer à cette intercession. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que cela ne m'est pas arrivé. Ce n'est pas que je suis spécial, mais j'ai d'autres péchés que j'avais commis, mais le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de participer à l'intercession. Amen. Amen, ma maman. C'est maman qui? Amen. C'est maman qui parle? Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Vous voyez le témoignage de Dieu. Je vous ai dit que Dieu m'a montré ça dans l'esprit. Voilà aussi la maman qui dit que elle-même elle a vu ça quand elle priait. Donc faites une action de grâce à Dieu. Chacune préparez vos enveloppes pour faire une action de grâce à Dieu. Vous m'appelez et vous dites prophète, voici mon action de grâce. Quand vous envoyez vos actions de grâce, il faut préciser que c'est vos actions de grâce. Vous comprenez non? Amen. Ok, amen. Je vous dis la vérité, amen. Ne gâtez pas votre soirée. Amen. Faites ce que je vous dis là. C'est sérieux. Parce que Dieu m'a montré ça quand je priais. Et voilà la maman là, elle-même elle a reçu la même chose. Est-ce que vous comprenez? Ne gâtez pas la prière. Faites une action de grâce. Chacun prépare son enveloppe et il m'appelle. Il dit, prophète, voici mon action de grâce. Il faut bien préciser. Amen. Vous comprenez, non? Amen. Ok. Merci Jésus. Alléluia. Ok, nous allons prier, non? Nous allons prier pour les offrandes et après nous allons recommander. Amen. Seigneur, je prie. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Ceux qui volent dans le panier de Dieu, tant pis pour vous. Hein. Est-ce que vous comprenez? On ne sait pas. Est-ce que vous comprenez? Il y a les mamans qui volent dans le panier de Dieu. Tant pis pour vous. Est-ce que vous comprenez? Les mamans qui volent dans le panier de Dieu, tant pis pour vous. Vous comprenez, non? Les mamans en France, là, qui volent dans le panier de Dieu, elles se connaissent. Tant pis pour vous. Moi, je dis tant pis pour vous. Ok. Si vous ne voulez pas avoir un panier pour Dieu, vaudrait mieux ne pas voir. Si vous mettez, vous venez encore voler l'argent de Dieu, tant pis pour vous. Hein. Tant pis pour vous. Vous comprenez, non? Tant pis pour vous. Ok. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Hein. Je vous dis ce qui se passe. Vous comprenez, non? Je vous dis ce qui se passe. Les mamans qui volent, vous connaissez l'histoire de Judas. La Bible dit qu'il piquait dans le panier de Dieu, panier de l'église, il venait, il piquait un peu. Vous avez vu sa fin, non? Donc, quand vous mettez l'offrande dans le panier, ce n'est plus pour vous. Pourquoi vous venez encore voler? Hein? Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment vous servez Dieu. On va prier. Je suis pas en train d'inventer. Peut-être vous me voyez comme un fou. Je n'invente pas. Ce que je dis là, c'est quelque chose qui se passe. Vous comprenez?
Voilà, je suis pas en train d'inventer quelque chose. Amen. Amen. Moi, j'ai peur de Dieu. Moi, je ne comprends pas comment d'autres font. C'est-à-dire, tu pars dans le panier de Dieu, tu piques et tu es tranquille. Je comprends pas moi ça. Ok. Seigneur, nous bénissons ton nom. Je prie sur ces offrandes au nom de Jésus. Merci de bénir les mains qui les donnent. Merci, Seigneur, de consacrer ces offrandes pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, merci de te souvenir de ton peuple. Au nom de Jésus, amen. 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 Alléluia. Ok. Père, je recommande la nuit et le sommeil de chacun entre tes mains. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci d'avoir restauré toutes celles qui ont avorté. Merci d'avoir sanctifié, d'avoir purifié, d'avoir lavé leurs vêtements de ces anciennes tâches. Au nom de Jésus, Seigneur, je te rends l'honneur et la gloire et je prie que ta présence demeure en eux, en chacun, en chacune. Au nom de Jésus, merci pour la puissance de ton esprit et que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Accorde un sommeil doux et paisible à chacun et garde les cœurs dans la vérité. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Alléluia.